De ces fermiers. J'aurais jamais dû... Non ! Ce n'est pas de ta faute. Comment tu peux en être si sûr ? Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dans son sang. La macula évolue. Elle fait passer le porteur par différents seuils. Et ce magister Vaudin, il peut vraiment l'aider ? L'ordre étudie la macula depuis des siècles. Si eux ne le peuvent pas, je ne sais pas qui le pourra. Seigneur, protégez-le. Vaudin ne s'est pas déjà présenté. Je pense qu'il préfère rester discret. L'ordre fonctionne comme ça. Quelqu'un le connaît sûrement. Demandons autour de nous. Là, un garde. Je vais lui demander. Bonjour. Pardonnez-moi. Savez-vous où nous pourrions trouver le magister Vaudin ? Je connais un messire Vaudin, mais pas de magister. Allez donc voir les fleuristes au marché. Il me semble qu'il leur rend visite de temps en temps. Merci. Rien. C'est un début. C'est évident. Il ne peut pas utiliser publiquement le titre qu'il porte au sein de l'ordre. Nous sommes passés devant une fleuriste tout à l'heure. C'est quelque part du côté du marché. Rebonjour. Oh, c'est encore vous. Vous cherchez des fleurs pour le petit ? En fait, nous cherchons Messire Vaudin. Je crois que c'est un de vos clients. C'est un client de mon mari. Les herbes médicinales, c'est plutôt son affaire à lui. Ah. Mais Martin devrait se trouver près de la fontaine. Dites-lui que je vous envoie. Il porte une tunique brune. Une tunique brune. Merci pour votre aide. Espérons qu'il nous aide. Il le fera. Pardon, monsieur, c'est votre femme qui nous envoie. Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? Je dois nettoyer tout ça. Je suis occupé. Ce n'est pas pour elle. Nous devons trouver Messire Vaudin. Lui ? Il n'aime pas qu'on le dérange. Et moi non plus, d'ailleurs. Écoutez, mon frère est très malade. On doit le trouver immédiatement. Oh, d'accord, d'accord. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite près de la reine, là-bas. Et ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. N'ayez crainte. Merci. Bien, ne perdons pas de temps. Le quartier de la reine. Il y a beaucoup de maisons. Comment allons-nous le trouver ? Il y a du grabuge dans l'air. Je le sens. Oui. J'ai interdit aux enfants de quitter la maison. Quel taudis ! L'ordre est riche. Que fait un magister dans un endroit pareil ? Il se cache, sans doute ? Oui, sans doute. Amicia ! Ce symbole sur le mur. L'ordre ? Oui. Il est là. Défense d'entrée. La reine est fermée au public. Et pourquoi donc ? Parce que le comte de Provence l'a ordonné. Maintenant, circulez ! Écoutez, j'ai vraiment besoin de passer. Ça ne fait rien. Viens, on va faire le tour de la reine. Oh ! Ne perdons pas de temps avec des soldats. Jetons un coup d'œil aux alentours. Tu as raison. Désolée. Il y a une porte là-haut. Oui ! Alors, prête à enfreindre la loi. Allez.
Est-ce que c'est là? La morsure? Oui. Ils ont condamné la reine. Ils les ont laissés mourir. Alors tout va recommencer. Ça a déjà commencé. Hugo, on l'a amené ici. Allons trouver Magister Vaudin. S'il n'est pas déjà mort. Comment ont-ils pu les laisser pourrir ici? Ces gens ont l'air pauvres. Ils doivent venir des taudis alentour. Comment personne n'a pu remarquer leur disparition? L'indifférence générale. Sans doute. Là, un autre symbole. Bon, il n'y a plus qu'à entrer. Les symboles vont nous mener à lui, tu crois? Oui. Là-haut, il y a un passage. Il y a forcément un moyen de grimper. Ça pourrait servir. Je vais t'aider. Si Luna est ici, il est en danger. Il connaît la morsure. On doit éviter les malades. Lucas, si tous ces gens ici ont été mordus, ça veut dire... Pas forcément. Un malade aurait pu l'amener à l'intérieur de la ville. Espèce de... Oh non! Il a un casque. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On continue. Pas un bruit. Tu es seul. J'ai tout mon temps. Tu ferais mieux de te mettre à table. Pitié! Cette brute n'est pas un soldat. Mais il en a l'habit. Pas une seule pièce. Non. Combien sont-ils? Je vais plutôt chercher notre homme. Si je le trouve, j'aurai une récompense. Amicia. Je vais le faire bouger. Remercie ce salaud de comte. On dirait un fouet. J'ai pas vraiment envie d'y aller. C'était rien. Encore? Qu'est-ce que... On arrête de pioncer et on cherche les intrus. Vous êtes... Mmh. C'est pas tous les élus. Ici, alerte générale. Tuez les intrus. Et ça, c'est que commencer. Alors, quelqu'un a... Arrêtez ces intrus! On est découvert! Suivez-moi! L'ennemi est là! Amusant! Oui! Arrêtez-les! J'ai repéré les intrus! Bon sang! Tuez ces intrus! La visite! Arrêtez-les! Attrapons ces enfoirés! Chef qui va pas tarder. Eh ben, s'il est... On n'est pas seul. Tous en alerte. Attendez,
Ils sont là. Ils nous tiennent. C'était qu'un idée. Amicia! On peut rentrer par là. Trouvons un moyen de monter. Vite. Il y a une sorte de moitié de chariot ici. Mais il n'est pas assez haut. Je pense qu'il déplaçait les corps avec. La hausse semble être de la bonne taille. Oh, elle est remplie de cadavres. Oh, ne regarde pas. On va le pousser. C'est un massacre. C'est nous qui l'avons amené ici. On les a condamnés. La Guyane est toujours touchée. Ça a déjà commencé à se répandre. Oui, mais ils auraient dû l'avoir venir. Ça n'aurait rien changé. C'est vrai, mais aucun de ces corps n'a été dévoré. Regarde, j'ai l'impression qu'ils recensaient les morts. Ils ont oublié un couteau. Ah, il est coincé. Allez. Bon, continuons par là. Je t'ai jamais vu utiliser des lames contre des gens. Je l'ai déjà fait. J'avais pas le choix. Une lame, c'est silencieux et rapide. C'est exactement ce qu'il nous faut. Bon... C'est toi qui vois. Regarde par là. Un autre symbole. Bien. Mais, Lucas,
Si ces gens sont tombés malades, ça veut dire que certains ont dû être mordus. Je n'ai vu aucun signe d'attaque. Pour le moment. Bon, avançons. Des soldats renégats. Ça ne me dit rien qui va. Un archer, là-haut. C'était qui ? Oh non ! T'as tiré sur un cadavre ! Ah ! Des intrus ! Ils nous ont détectés ! Ah, oh, ça va. Il n'y avait rien. On est venu chercher un foutu alchimiste. On tombe sur un... Hein ? Hein ? J'ai dû rêver. Absolument rien. Hein ? Et voilà que je perds la tête maintenant.
trop imprudente. Je sais ce que je fais. Il y a quelqu'un qui rôde. Ouvrez les yeux. On les aura. Je m'attendais à plus de soldats. Ils sont où? Peut-être qu'ils sont malades ou peut-être qu'ils meurent. Il est presque. Oui, on a réussi. Oui, mais je n'en peux plus de ces voleurs, tueurs, mercenaires, toute cette vermine qui se met toujours en travers de notre chemin. Le chaos gouverne nos vies. Ces gens en font partie, et tu apprends à faire avec. Je le vois bien. Tu n'as pas épargné beaucoup de monde là-bas. Oui, c'est certainement pour ça qu'on est encore en vie pour en parler. Tu prendras soin de toi. Promis. Sois en paix. Tu as bien agi. Je n'ai rien fait. Allons-y. Est-ce qu'on peut l'arrêter, Lucas? Tu veux dire, la morsure? Oui, mais si on guérit Hugo? La vraie question est... Est-ce que ça arrêtera les rats? Je n'en sais rien. On n'en a pas encore vu. S'ils sont là... Ils se cachent du soleil. Ils attendent. C'est sûr. Sûr? Lucas, on va avoir un mal fou à traverser tout ce chaos. C'est l'ordre. La place d'un haut magistère est dans la plus haute tour, non? Allons-y. Oh! T'es sûr de toi, Amicia? Non, mais c'est le seul moyen. Fais très attention. Avec ces hommes. Vous habitez ici? Oui. Ah!
Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là. Ne lâchez pas la torche. Tant que vous la tenez, ils ne peuvent rien vous faire. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Venez avec nous. Nous devons monter à la surface. Le soleil nous protégera. Calmez-vous, vous ne risquez rien. D'accord. Il en vient plus. Il y en a d'autres. Continuez d'avancer. Ils sont trop nombreux. N'arrêtez pas. Oubliez-les. Avancez. Oui. Si nombreux. Hugo, ils sont là pour lui. Oui, ça tiendra. Regarde, il grimpe. Comment? C'est un cauchemar. On va jusqu'à cette tour. On trouve Baudin, on le ramène à Hugo et on s'en va. Mon matériel. J'ai tout perdu en tombant. En traçant. Oui. Surtout, ne fais pas tomber cette torche. Qu'on abandonne la torche. Ça le termine. On fait quoi? Utilisons un bâton. Il va vite se consumer. On reste en ligne droite. Oui, la plus droite possible. Lucas, à la nuit tombée. Oui, rien ne les empêchera de sortir. Ah! Faut absolument se réfugier plus en hauteur. La flamme tient bon. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah ! Bien. Un bras zéro à la fois. On peut le faire. On va le faire. Là, une échelle. Je le vois. Oui, beau travail. Allons-y, vite. Enfin en hauteur. On se sent mieux. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Fais vite. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Vraiment? Une poutre? C'est l'unique chemin. Oui. Doucement. Waouh. D'accord. Surtout, prends ton temps. Ah! Lucas! Je le savais! Est-ce que ça va? Non! Je suis...
suis encerclé. L'échelle, il faut que tu montes, vite. Oui, il fallait que ça m'arrive à moi. J'ai besoin d'aide. Ils en ont après moi. Reste calme, tu es en sécurité. Pour l'instant. Je ne t'abandonnerai pas, tu le sais. C'était horrible. Merci. Arrête de me donner des sueurs froides. Avançons. On se rapproche de la lumière du jour. Peut-être qu'on se sera rapproché de cette tour. J'ai hâte d'entendre le plan du magistère Vaudin. Son plan a intérêt à être bon. Il le sera. Oh non! Me dis pas qu'on doit redescendre. Et si? Tu plaisantes? Non. Et l'état d'Hugo empire à chaque seconde qu'on perd ici. Ta mère veille sur lui. Tout ira bien. Il n'y a pas de rats ? Non, mais ils étaient là il y a peu. Regarde tous ces corps. Encore chaud. Ils sont proches. Attention. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Des rails dans le mur. On dirait un monte-charge. On pourrait sortir par là. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai vu ça dans un livre. C'est un éléphant d'Afrique. Les Romains les capturaient pour les jeux du cirque. C'est énorme. Regarde, ces dents. C'est irréel. Oui. Il y a suffisamment d'ossements ici. Trouvons la sortie. Oh, ça sent. Cette odeur, c'est du soufre. C'est une forge, une manivelle. Voyons à quoi elle sert. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr. Waouh. Tu entends ça? Oh non, c'est non. Regarde où ils sont. On est coincés, Lucas. Non, non. Regarde la plateforme. Le bras zéro. Je pense qu'il est assez gros pour illuminer toute la pièce. Comment on fait pour l'allumer? Je ne sais pas. Salpêtre, soufre, alcool, tout ce qu'on peut trouver. Bien. Les alcôves sont ouvertes. On y trouvera peut-être quelque chose. C'est du soufre, c'est ça? Oui. Il y en a de répandus sur ces planches. Le coffre là-haut doit en contenir plus. Du soufre pur, ce serait parfait. Alors montons voir. Une manivelle. Il y a un monte-charge. Est-ce que ça va? Oui. C'est le plus beau jour de ma vie. Évidemment, ça ne restera pas en place. Je peux t'aider? Bonne idée. Lucas, tu dois le faire. Tu peux arrêter maintenant. Lucas, tu peux t'en charger? Oui. Je tiens! Perds du temps. Tu peux laisser tomber. Bien sûr. Il faut accélérer. Je m'inquiète pour Hugo. La tour n'est plus très loin.
Dès qu'on trouve Baudin, il... On ne sait même pas s'il est là-dedans. Et avec les rats et ses mercenaires... Hé hey, une chose à la fois. Oui. Bien. Alors, tu trouves quelque chose? Tu avais raison. C'est du soufre. Oui. Enfin une bonne nouvelle. Bien. Il faut un autre élément et on pourra fabriquer de l'ignifère. Tu te souviens? L'ignifère. Je l'avais oublié. Allons voir dans l'autre pièce. Des stocks de viande. On a besoin d'un agent de conservation comme... de l'alcool. Peut-être dans ce coffre? Bon. Essayons d'occuper ces rats d'abord. Mais ça ne suffira pas. Ne tombe pas. Merci, Lucas. Ça va leur plaire. Répugnant. La voie est libre. Viens, allons voir ce coffre. On croirait qu'ils n'ont rien eu à manger depuis des siècles. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Des bouteilles d'alcool. Oui, c'est bien. Très bien. Reviens. Bien. On a du soufre et de l'alcool. C'est une base idéale pour l'ignifère. Hautement réactive. Allez, mélange-les. L'ignifère, ça faisait si longtemps. Ça sauve la vie. Fini. Lance-le sur ses braises avec ta fronde et... espérons que ça marche. Oh, wow. Oh bon sang. C'était hautement réactif, en effet. Merci, Lucas. Cet ignifère sera plus qu'utile. Maintenant, essayons de faire descendre cette plateforme. Je crois que j'ai vu d'autres manivelles dans les parages. Jetons un œil. Voilà nos manivelles. Là-haut, sous les arches. Oui. Essayons. Waouh, ça fait beaucoup de vieilles jarres. J'imagine facilement la foule égayée par le vin en plein combat de gladiateurs. Oui, certaines choses ne changent jamais. Maintenant? Des cages. Ils gardaient d'autres animaux. Peu importe. Éclairons cet endroit. Il y a encore des rats. Ce pot en terre, là. Il pourrait concentrer l'effet de l'ignifère et le libérer à l'impact. Vas-y, essaie. Espérons que ça marche. C'est fait. Lance-le pour allumer un feu très bref.
On pourra traverser, mais on devra faire vite. Maintenant ! Oui, allez. Très bien, c'était une bonne idée. C'est facile, il suffit d'avoir un pot. C'est à ça que sert la manivelle de l'autre côté. On a besoin d'être deux. D'accord. Reste là. Je vais m'occuper de l'autre. J'attends ton signal. C'est ça, Amicia. Espérons. Si quelqu'un m'avait dit qu'on aurait nos propres jeux du cirque... Si quelqu'un m'avait dit que le monde serait sur le point de s'effondrer à nouveau... Et on file d'ici. C'est bon, Lucas. J'y suis. J'attends ton signal. Oui, ça marche. C'est incroyable. Merci, Seigneur. Je suis heureux de te revoir. Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Naturellement.